Le karting de Francorchamps accueillait la troisième épreuve de la Yamé Series Benelux en ce dernier week-end de juin. Au départ, 23 pilotes prêts à en découdre sous un soleil de plomb. Dominateur depuis le début de saison, Sacha Van Padbosch a tenu son rang. Il est en pole devant Dylan Visser, excellent deuxième. Thibaut Geladé est troisième et devance Patrice Kowalewski au moment d'entamer les manches qualificatives. Dans un peloton, vous le voyez, très bien fourni. Et tout se passe plutôt bien. Tout se passe même très bien pour Sacha Van Padbosch. Deuxième samedi, il remporte sa deuxième manche qualificative le dimanche. Au deuxième rang, on retrouve Dylan Visser qui a un peu plus de mal ce dimanche, cinquième, mais il a remporté la première manche qualificative le samedi. Derrière, c'est très disputé et c'est Thibaut Geladé qui va s'adjuger la troisième place au classement intermédiaire. Patrice Kowalewski sera lui dixième sur la grille de départ après une manche loupée le samedi, mais une deuxième place ce dimanche. Sur la grille de départ, on retrouve Sacha Van Padbosch en pole et son rival du week-end, Dylan Visser. Thibaut Geladé est troisième et espère remonter, tout comme René Lammers. Et c'est parti pour la finale ici à Spa-Francorchamps et tout se passe bien dans le premier virage. Pas d'accrochage. L'occasion pour Sacha Van Padbosch de prendre le large et derrière ça se bagarre entre Dylan Visser et René Lammers. La lutte est intense à tous les niveaux, ça se bagarre et la situation va tout doucement se décanter. La troisième place, par exemple, reviendra à Thomas Stroven, qui terminera devant Thibaut Remakers et Thibaut Geladé. Parti depuis la dixième place sur la grille de départ, Patrice Kowalewski a réalisé une belle remontée. Il a offert du grand spectacle. Il terminera finalement sur la deuxième marche du podium. Et pendant ce temps-là, Sacha Van Padbosch ne se faisait pas prier pour remporter une nouvelle victoire en finale. Paul Menn, premier après les manches qualificatives et vainqueur de la finale avec plus de 5 secondes d'avance, le Néerlandais n'a, il faut le dire, laissé que des miettes à ses adversaires. De finale vond ik echt goed gaan. Bij de start reed ik meteen weg. Dus en toen had ik 6 seconden voorsprong en toen bleef het daarmee. Dus en toen was ik gewoon blij. Notons toutefois que le classement est suspendu à partir de la troisième place du classement pour que des examens approfondis puissent être menés suite à un contrôle technique.